Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle matinée avec un changement de programme. Bref, c'est surtout la météo qui est l'élément perturbateur. Je pensais faire mes courses aujourd'hui, mais il pleut comme vache qui pisse en Lorraine là. Du coup, je reporte mes courses à un jour. Aujourd'hui va être une journée complète, matin, après-midi, où je serai avec vous sur Twitch, que je vais en profiter, c'est cool. Et en fait, c'est demain où je serai présent que le matin. Donc, ce matin, on va faire un peu de Tomb Raider 3. Et cet après-midi, ça va être plus chaud. Ça va être du Resident Evil 0. Donc, voilà, il va falloir s'accrocher. Bref, voilà, bonne matinée. Au plaisir d'être en votre compagnie. Voilà, je vais me divertir avec Lara Croft. Voilà, ça a changé les idées et puis il y a besoin quoi. Et c'est au moment d'avoir pris mon antenne que je suis en train de me dire, j'ai pas nettoyé mes carreaux sortis de la salle de bain, les carreaux de lunettes. Je vois un peu trouble, pardon, va falloir que je nettoie ça. On change de plan, on commence à jouer Totsuet. Allez go, oh mon dieu, j'ai mon truc Westbot qui est en... qui est complètement actif. Alors attendez. Tac. Moi, je vais avoir besoin de certains trucs. Et je tac. Ah, c'est cool. Là, au moins, c'est l'idéal. Je vois plein de trucs. Alors. C'est parti pour l'aventure. Ouais! L'aventure du crash! Merde! Mais non! Mais c'est pas possible! Il se paye de ma tête le jeu. Il va pas recommencer ses âneries, j'espère. Oh, le truc est chiant parce qu'en fait. Fait sauter mon interface. Faut qu'il arrête de me faire sauter mon interface. Voilà. Je tweak. Voilà. Et là, s'il est pas gnangnan. Voilà. Mais merde. Et je crois que à chaque fois que je relance, je perds en fait la. Ouais. Je perds la luminosité sur 8. Oh, j'ai remarqué qu'on est beaucoup mieux. Go! Et là, recrash! C'est là que je me rends compte que ma sauvegarde est corrompue. Il faut pas que je me marre, hein, parce que la musique s'est arrêtée là. Ça fait flipper. Attendez, je nettoie mes carreaux de lunettes. En plus, tu... voilà, j'ai mal. J'ai étalé la mouise, la merdoum sur mon. Test, on est d'accord. Oui, le test a été passé. Bon. Eh ben, Shukinyaki, démarre mon jeu. On l'a vu hier. Ah, il y a de la progression. Alors, c'est peut-être que là que j'ai le droit de mettre à jour la luminosité. Apparemment. Oh là là, dur. Donc, j'aime pas ne pas avoir mon tour, ça me rend nerveux.
Bonjour Tunsen, j'espère que tu vas bien. Alors là, j'ai astucieusement activé ma tablette avec le chat et c'est tant mieux parce que dès que je réaménage mon écran secondaire, avoir une vue sur mon retour et le chat, en fait ça saute et le jeu bug en plus de démarrer, enfin bref, il crash. Heureusement que j'ai la tablette pour voir ce qui se passe sur le chat, sinon je serai à l'aveugle. C'est chiant ça. Je veux bien refaire un dernier essai rapide, mais hop, voilà, je fais ça. Ça, tac, je le remets là. Excusez-moi du peu. Je tac. Oui, c'est ça. Très bien, Tunsen. J'en reparlerai peut-être ce soir du tableau Mister ou je referai le point ce week-end. Parce que là, vous m'avez tellement fumé en tableau que j'ai envie de dire on va se calmer un peu. Honnêtement, je pense qu'on le fera ce soir. Quand tu seras rentré du boulot, tu une scène, je pense que aux alentours de 17h, des brouettes. Je referai un point et je relancerai peut-être un nouveau tableau. Allez. Mais bref. Mais bravo à toi. Bravo, bravo. Oui, mais je comprends. Oui, que ce soit au taf. Ouais, c'est très gentil à toi de passer. Merci tout plein. Alors, est-ce que j'arrive à faire ce que je voulais faire? Ah oui, voilà. Là, j'ai une interface idéale sur les points secondaires. Bon, je vais peut-être réussir à jouer, moi. Je sais plus où j'en étais, à vrai dire. Alors que j'ai joué hier. Bah ouais, t'es trop fort, ouais. Enfin, oui, j'ai bien été modeste en disant on est trop fort. C'est surtout toi, punaise. Tu trouves la plupart des réponses. Alors, s'il y a un calage comme ça, c'est là qu'il y a un truc ici. C'est beau, le point est joli. Mais. Sauf que là, non, je comprends pas, il y a rien. Ah si, il y a des munitions. Il faut vraiment parvenir à lire l'image. Tiens, mission de l'année, faire aimer Steam à Fun Fan. Oh, alors je te souhaite bien du courage. Ah, tu une scène. Si t'arrives à convertir Fun Fan à Steam, il faudrait. Tu mériterais qu'on t'organise un truc de fou pour j'ai envie de dire, t'en remercier. Parce que le fait de convaincre FunFan à aller sur Steam, moi ça me faciliterait la tâche pour lui proposer davantage de jeux en commun. Mais enfin bon. Ah non, si t'arrives à convertir FunFan à Steam, ce serait énorme. Hein. Ce serait limite si je proposerais pas, mais techniquement je peux pas le faire. C'est-à-dire de me déguiser en soubrette le temps d'un numéro de mon direct pour fêter ça. Oui, merci Twinsen, mais je suis pas dans Amazon Gaming, je suis dans pas grand-chose au niveau abonnement machin. Donc j'ai bien vu ce dont tu me parlais, c'est très gentil à toi, mais j'adhère pas à ces services. J'ai pas besoin de, honnêtement, j'ai pas besoin de m'encombrer de ça, même s'il y a des trucs gratos. J'ai la chance d'avoir pas mal de jeux à faire, on est tranquille pour des années. Hein. Mais merci à toi, c'est une délicate attention, merci. Bon allez, je vais essayer de jouer correctement. Et bon courage à toi pour le taf, Twinsen. Je regarde de côté parce que je regarde ma tablette alors que maintenant j'ai le. J'ai les transports. Oh là là. Non, non, c'est le plafond. C'est le plafond végétal, on va dire. Qui est super, d'ailleurs. Merde, je suis tombé dans l'eau. Je crois qu'il y a des piranhas, non? Oh là, oui!
bah je suis mort. Laisse tomber. Il faut que je relise à 360 degrés la salle, moi. Non! Non! Je recharge la partie, le jeu a crash. Merde, Oum! Mais c'est quoi cette instabilité? Ah, c'est chiant! C'est l'accélération 3D qui enquiquine. Moi, je veux bien passer en software mode, mais bon, ça va être moins joli. Putain, sans déconner, je comprends pas pourquoi ça quick. Oui, d'ailleurs, je vais désactiver les adaptations de joystick. Allez, go! Alors, hop. Tiens, les statistiques. Tac. Voilà. Je me sens mieux moi quand je vois mon chat. Alors, j'ai pas de nouveau flingue, hein, non. Ah, hic, j'ai 32 torches et 5 petites trousses. Ah bah tiens, je peux mettre un petit... Oh, c'est beau ça. Non, ça marche pas sur Twitch ça. Si. Ah, je me disais bien que Twitch permettait pas. Je dis putain, il me surprend des... Il me permet des trucs. Je flippais. Non, t'as pas vrai non plus. Merde, les autocollants. Non, il m'en faut. Merde. Je vais pas te faire des ennemis. Alors, donc il y a du matos, et on va pas s'en priver. Une fois que j'ai récupéré le matos. Ah, mais j'avais même pas vu la première fois. C'est en stéréo là, il y en a pas, il y a la même chose de l'autre côté. Nul le mec. Ah non, je me fais avoir par l'illusion d'optique, y'a rien. Il faudra que je m'achète de nouvelles lunettes. Alors, hop. Je fonce sur la plateforme opposée. Histoire de pas me faire bouffer par les salopes de piranha. Ah oui, c'était là. Ah oui, alors ça, c'est d'accord. Bonjour SDR, j'espère que tu vas bien. Il y a eu un... Non mais je t'en prie, c'est normal SDR. Bah tu parles, t'es là, t'es l'homme de tous les instants. Mon Dieu, déjà? Oh, t'es adorable! Bah tu vois, tu as le convoité sur Twitch badge du premier abonné. Enfin, des premiers abonnés, je sais plus. Je crois que c'est les 5 premiers abonnements où t'as droit à un truc à vie sur ma chaîne, là. Associé à ton compte. Et t'as le petit badge de premier... Le 1ST. Bah merci beaucoup, EZR. Punaise, t'as pas attendu. Direct, tu t'es votre dessus. Mais c'est vrai que je me souviens que tu l'avais annoncé, ça te tenait à cœur. Merci beaucoup, c'est très gentil. Oui, tu perds pas le temps. Oui, je vais être bien, merci. Alors, pour te dire que... Tiens, je vais en profiter quand même pour sauvegarder ce que j'ai fait. Oh! Le jeu a crashé pendant que je voulais sauvegarder. Non, mais il y a un truc qui va pas là.
Il y a eu un changement d'agenda. Oui, merci tout plein. Attendez. Ah, oh, c'est pénible ça. Changement d'agenda. Je voulais faire mes courses cet après-midi. Et il pleut comme vache qui pisse. Honnêtement, je vais pas me prendre la flotte dans la tronche. Sachant que demain, chez moi. Non, c'est pas du tout. Ton abonnement n'a rien à voir. Non, c'est du technique. Mais j'ai voulu sauvegarder, il m'a envoyé péter. Je suis arrivé dans le menu, il m'a crash. Oui, changement d'agenda. Demain, il fait plutôt beau. Alors, je ferai mes courses demain. Du coup, aujourd'hui, je fais matin et après-midi. Ce matin, on fait du Tomb Raider 3 en espérant qu'il crache pas trop souvent, sinon je vais faire autre chose. Cet après-midi, on fait du Resident Evil Zero. Et demain matin, où j'aurai que le matin, je ferai du Corridor 7, mon jeu avec l'extraterrestre là que j'adore. Voilà. Non, non, le coup de la météo, là en plus. D'ailleurs, c'est simple. C'est pour vous dire à quel point il pleut. Moi, j'étais réveillé par la pluie tout à l'heure. C'est les tonneaux qui sont tombés. J'entendais la pluie ruisseler dehors. Et ça m'a réveillé. Donc, j'ai jeté un coup d'œil aux prévisions météo de Nancy. Et demain, il y aura un petit peu de soleil. Mais là, aujourd'hui, c'est pluie intense, intense. Alors, je veux pas mettre mon nez dehors. Et puis, j'ai quand même de la réserve au niveau de Miam. Donc voilà. Merde, je suis déjà tombé. Je suis déjà tombé, Raider. Ah, barrez-vous! Oh la vache, il m'a bouffé la moitié de la vie déjà. Non, j'ai l'impression de l'avoir remis en place ce truc. Ah oui? Mais on entend quelque chose, mais je sais pas où c'est que ça s'est ouvert. C'est ça qui est dingue. Et à la vue, je peux pas voir quelque chose. Je pense pas, encore que, j'allais dire, en haut, vous voyez les en haut, les arbres, les branches, mais je pense pas que ce soit atteignable. C'est juste dans le dessin du. Encore que ça fera un beau jeu de plateforme à essayer de sauter, mais ça m'a l'air un peu large. Enfin, avec Lara Croft, c'est surprenant. Ouais, c'est plus non-stop, ouais. Au niveau de la météo. Je reviens de l'exploration sous-marine, mais avec les piranhas, il y a de quoi flipper. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Parce que là, j'ai une belle vue sur l'environnement. C'est en dessous que j'ai ouvert? Apparemment, j'ai ouvert en dessous. D'accord. Ah oui. Dac. Ça correspond à ça. La suite est par ici. Ok. C'est horrible, je zigouille les macaques. J'y suis contraint. J'ai pas vu de losange, donc je vais prendre quand même un Medipack. Alors, la suggestion de l'éboulement du bâtiment avec l'écoulement de boue, franchement, parfait. C'est vachement bien fait. Ça fait réaliste à souhait. Non, c'est pas là. Si, bah si, sauvegarde, c'est sur le côté, mais il ne me propose pas. Ah, attendez, il y a des trucs sur le chat.
Oui, c'est un bon jeu de plateforme. Attends, je... Non, là, c'est save game. Voilà. Voilà. Là, il a pas crashé. C'est stressant d'avoir un jeu qui crash, surtout quand tu diffuses, quoi. Ça te casse déjà l'immersion et le plaisir de jouer. Je comprends pas pourquoi il m'a fait autant de Tekken énervé. Ah, on entend un singe qui est passé et qui n'est plus. C'est beau. Ah, ça, oui. Oui, ça fera un bon jeu de plateforme. Oui, tous les arbres. Oui. Eh oui, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Là. Remarque, tu me diras, j'ai pas regardé à côté de l'ébouli. Écoute des trucs. Oh là là, c'est superbe. Je me souvenais pas qu'il était déjà aussi beau le 3. Tomb Raider. Il y a un boulot sur les textures, c'est bien. Là oui, alors c'est la remarque que je faisais hier, mais hier vous me disiez, vous m'aviez pas dit qu'il n'y avait pas le son du jeu. On entend parfois le gazouillis des oiseaux là, dans le jeu, c'est super agréable. C'est le détail qui tue au réalisme, j'adore. Putain, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, et sans déconner, je me souvenais pas de ça. Si je redécouvre le jeu, c'est un bonheur. Ouais, ça détend. Ouais. Je peux pas aller en face, on voit bien que j'ai trop de... Le but n'est pas d'escalader l'éboulis. Je peux pas aller par là-bas, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, c'est pas fait pour. Attends, sur leur bord, parce que il faut se méfier des plans inclinés. Ouais, non, je suis pas déconné non plus. J'aime bien, elle saute, en plus elle saute deux fois sa taille. Ça, vous imaginez, vous, dans la vie, si vous arrivez par impulsion naturelle, réussir à sauter deux fois votre taille. Oh la vache. On en ferait des trucs. Y a que et encore, les félins, ils font mieux. Ah, j'y ai cru! J'y ai cru, j'y ai cru! Mais non, c'est pas par là. Ouais. Ce serait trop bizarre de voir des humains être capables de faire des sauts deux fois leur taille. Je me demande s'il faut pas aller sur la plateforme au-dessus là. Là où il y a la cascade. Mais comment? C'est que j'ai encore mal lu le tableau. Alors, laissez-moi un peu de temps de réflexion, s'il vous plaît. Tac, 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 tac. Oui, j'ai deux plateformes, j'ai celle-là et j'ai l'autre là-bas. Ouais, mais là, je suis trop loin, là. Ah oui, je suis trop loin. Là oui, là pour courir ça pouvait marcher. Alors que là-bas on y a tout. Et on est d'accord, je vais vérifier à deux fois, il n'y a pas de... Oh merde. Pardon, je réponds à un membre de la famille puisque là c'est important.
Mince. Tac, 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 pardon. Hop. Oui, je me disais bien que je faisais pas le bon truc, mais tant pis. Alors, non, c'est pas incliné, pardon. C'est dingue comme je peux tenter de remonter en haut, là où j'étais instinctivement, mais je sais pas quoi y faire. Ouais, dans les options. Alors, je vais ajuster, figure-toi, le coup des vergas. Parce que FunFan, effectivement, avait raison. Il m'avait dit, t'as pas de lien entre ce que te propose Wisebot et Twitch. C'est pas coordonné les points fidélité, la monnaie de chaîne. Et je sais que dans la programmation Wisebot, il y a un moyen de faire la conversion. Chose que j'aimerais bien. J'aimerais bien faire confondre les deux. Que vous ayez pas deux scores, en fait. Et j'ai pas compris comment fonctionne leur schmilblick de conversion. Donc ça viendra dans le futur, mais je peux pas dire quand. Attends, ah bah attends, je peux aller là. Ah, attends voir. Il faut que je lise astucieusement le dénivelé du cacaboulings. Non, oh putain. Voilà, là je peux y aller là. Oh! Y a plus de macaques. D'accord. Oh, on a un autre. D'accord. Alors, c'était pas si abrupt que ça. Oh là, y a un truc là-bas. Il y a un truc, il y a une chose. Ah si, elle peut y aller normal. Oh merde! Ah, sympa, il y a le losange de la vie. Surtout pas tomber dans l'eau parce qu'il y a deux fois plus de piranhas, on les voit. Ceux que j'appelais par erreur scalaire. Brigitte Bardot, oui. Mon Dieu. Ouais, le carnage au niveau des animaux. Tiens, par contre, en sérieux, en vrai, rubrique nécrologique, il y a le deuxième frère Bogdanov qui a cassé sa pipe à son cours à 5 jours d'intervalle là. J'ai pu voir l'info me passer sous le pif hier soir. Ouais, c'est sûr là. Paix à leurs âmes, le deux frères Bogdanov. N'allez pas dire ça à Bob Borlock, il va déprimer. Il les adorait. Non, j'ai loupé mon saut! Je me suis pas approché comme il fallait. Oh putain. Hey, j'ai l'impression qu'on revient mort en arrière là, non? Hop hop hop. Non mais il déconne. Je vais recharger ma partie. La vache! Il nous fout au début du niveau. J'ai bien fait de sauvegarder là, hein. Parce que bonjour la reprise, hein. Non mais sans déconner, je peux faire le saut. À mon avis, il faut que je fasse
un saut avec élan, mais avec le fait de courir peut-être. Qu'est-ce que ça en fait? Ah, elle peut pas sprinter et sauter. Je croyais qu'on pouvait tout combiner, mais non. Ça m'évite de faire un super jeu de touches au clavier. C'est plus facile. Ah. Oui, toi aussi, t'es de nouvelle, ouais. Simplifier, je suis fier. Oh, il y a un serpent en bas, vous avez vu? J'ai vu le monde sauter. Il y a un serpent qui va pas me faire sauter la vue là. Oh! Dégaine, dégaine, dégaine. Marche prudemment là. Entendu un serpent sonnette. Alors, l'angle de vue est terrible. Donc, je sauvegarde. D'ailleurs, il faudrait que je fasse des jeux de sauvegarde, pas qu'il y ait une seule sauvegarde, parce que si un moment je vais vraiment dans la mise, on va pas commencer les jeux depuis le début. Bah, j'ai pas compris là. C'était quoi l'intérêt du truc? Ou alors que je monte comme ça? Il y a un truc sur ce côté. Oh. Et des munitions. Rien que pour les munitions, j'ai dit. Oui, si j'arrive à les mettre. Merci là. On y croit. Allez. Bouge ton boule. Comme diraient les jeunes. Ah, voilà. Alors le maquin qui ne sort pas. Surtout là, il est. Non, on les entend. C'est bien. Je fais pareil avec le. Oh, il y a des choses à faire. Oh mince, je suis pas assez appuyé. Vache. C'est pas une cache à serpent ça? Aussi sûrement. Ouh, sûrement. J'aime bien le côté fumant des flingues de Lara Croft. Hop, ouais, allez, je vais sauvegarder sur le deuxième ligne. J'ose pas. J'ose pas. C'est humide. Ça veut dire marécage. Vache, les cochonneries. Je serais même tenté de balancer une. Je sais pas si je peux. Oui. Il y a du tout. Mmh.
Oh, c'est pas vrai. Allez, on y va. Ah non! Ah non, 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 non! Non! Ah, j'ai les boules! Où est-ce qu'on est là? Oh mon dieu! Vous voyez la forme grise qui se dessine au fond? Je me souviens maintenant. C'est des statues qui peuvent prendre vie. Elles sont chiantes à gérer, elles sont balèzes. Oh là là! Sans déconner, je les avais oubliés. Je me souvenais plus que c'était dans le 3 qu'il y avait ça. Ouais, bon courage, ouais, merci. Je crois que je vais en avoir besoin. Surtout si la pièce elle est exiguë, tu sais. Il te coince dans un angle et cuic. Oh la vache. Oh, c'est quoi ça? Oh, un petit fusil à pépon. Ça veut dire que ça va barder. Tout est dit. C'est terrible, mais tout est dit. Je sais pas dans quoi je vais en fait. Et là, il y a quoi? Non, il y a rien. J'ai en entendu feu. C'est bizarre en entendu feu. Mais sans déconner, je vois pas ce que je dois faire là. J'ai loupé un levier, j'ai loupé quoi? Le dessin du truc est vachement bien. La statue est stylée. Attends, je suis débile là. J'arrive pas. Ou alors, à mon arrivée, je suis arrivé tellement brusquement à cause du boulet, j'ai loupé un truc. Vous allez voir, je bouffais pour rien toutes mes torches. Non, là, il y a le boulet. Mais, enfin, il y avait le boulet. Enfin, ils l'ont donné. Eh ben, zéro. Attends. Si je jette la torche, j'arrive pas à voir concrètement ce que je dois faire. Bah, le combat, tu crois qu'en dégainant, elle va le viser? Mais non, il n'est pas menaçant. Il est inerte. Pas déconner non plus. Ah là 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 là. Bah le combat viendra tout tard. Mais quel est l'événement perturbateur qui va faire qu'il va prendre vie le stick? Parce que là je vois pas, j'ai pas un bloc à pousser. Ah si, ça doit être ça. Eh oui, c'est ça. C'est du bloc à déplacer. Ok, ok. Alors déjà, il y a un truc derrière. Je sais pas ce que j'ai ramassé, mais je l'ai ramassé. Et là, il faut que je sois accroupi. D'accord, d'accord. Oh merde. C'était quoi? Oh non. Ah, il a pris vie. Ah, pire que Shiva. Ils ont 6 bras eux. Je suis
Et je serais peut-être obligé de le faire. Vache, ils sont balèzes. Avec cette épée là, c'est vrai que... Oh, mais je me souvenais pas qu'ils étaient si durs. Je peux pas les planter dans un. Non, je peux pas. Et bouge, bouge là, bouge, bouge, bouge. Là, il y a un truc, mais. Mon cher SDR, oui, je vais dans l'espace pas vite. Ah, j'arrive à le toucher un peu au flingue. Hein. C'est un premier boss là. Oula, je vais me faire serrer là. Oula là. Bouge. Bouge. Bouge, bouge, bouge. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être essayer le sacro-saint fusil à pépon. Puisqu'il me suggère un usage. Avec un peu de chance, il n'aimera pas du tout. Alors, je tire évidemment quand il y a découvert. Oh, il a pas aimé. Je l'ai entendu gémir. Fantastique. Oui. C'est le fusil à pépon en fait. Ah, il se repétrifie. Alors, bien allongé au centre de la pièce, ça fait classe. Sans déconner, ça fait classe. Ah la vache. Ouh, je reviens en flingue normaux là. Oui, merci pour les GG. Mais j'ai bientôt. Allez Lara. Et bah c'est bien. Je trouve que je l'ai bien géré parce que j'ai pas perdu beaucoup de vie en fait. Juste quand je me suis fait acculer contre la porte fermée, là il a réussi à me coincer. Mais en dehors de ça, c'était quasiment sans faute. Ouais. Yep, yep, yep. Oh la vache, le bestiole, quoi. Rigolo. Alors. Je vais peut-être garder le losange en cadeau. Cadeau vie après. Donc, moi, je suis pas spécialement entamé. Alors là, j'ai un. J'ai ouvert un truc. Alors, je peux passer à côté du losange. Ouais, je peux passer à côté sans consommer. J'ai ouvert un truc. C'est pas ça que j'ai ouvert. Ah, attends, il y a une trappe au sol. Il y a une trappe au sol. Le problème, c'est que j'arrive pas à voir ce qu'il y a dedans. Alors, ça me ferait tellement suer de mourir comme un caca
S'il devait y avoir des pics en dessous, en général avec la retrop c'est le cas. Non, c'est pas le cas là. J'ai été mauvaise langue. Ah, il y a un levier. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Oui, j'ai dû ouvrir juste au-dessus. Je présume. D'ailleurs, je pense que je peux sortir par là. Alors. Là, Croft est faite prisonnière. Joie des marécages! Elle meurt, je comprends pas. Ah, elle revient à la vie. Et là, Moïse, elle sépare en deux la boue. Ça serait trop drôle. En attendant. Attends, mais c'est. C'est sombre, à ce point. Attends, ici, il y a eu un éboulement de fou ou un éboulement de... Oui, c'est un éboulement. Ça rime ce truc. Faut atteindre la salle au-dessus. Je sais pas comment. Est-ce que. Oui. Parce que c'est Lara Croft. Elle peut le faire. C'est stylé. Oh! Il est tombé. Ah non. Ah, c'est un hachoir. Le hachoir de la mort qui tue. À couper au couteau. Alors, ah oui, d'accord. Ah! J'aime les trucs chronométrés. Ironie, évidemment. Ok! Ils ont le sens de l'accueil. Oh la vache! Ils se sprintaient en fait. Donc, allez. Alors, il faudra que je sauvegarde juste avant cette maudite porte. Ah ouais, non, mais. Donc là, en fait, pour gagner du temps par rapport au sol mouvant, je peux sauter. Voilà. Donc moi, je gagnerai de la distance et je me boufferai pas de la vie. Plus bénef. Mais non, non, bien dessiné le niveau, hein. Y a rien à redire. Ils ont vraiment bien pensé la mécanique de jeu. Ah si, je prends quand même un tout petit peu de santé. Voilà. Hop. Hop. Après, je sors les flingues parce qu'il y a la caque. Bon. On y croit. Allez, ça commence les combinaisons. Hop. Et là, je sprint. Ah oui. Je l'ai fait. Hop hop hop! J'ai entendu quelque chose. Qu'est-ce que j'entends? Bon, j'ai
Jimmy Rux, c'est un macaque. Il y en a d'autres. Oh! Bonjour Cyber Jojo, j'espère que tu vas bien. Ah, c'est le premier Tomb Raider, t'as commencé par le 3? Ah ouais. Tu mets la prime. Tu mets la prime, tu mets la prime. Oh! Il y a un bon passage. Bon, je suis parano, hein, pardon, je sauvegarde encore, mais ça m'évite de faire un bis repetita de tout ce qu'il faut faire. J'aimerais voir en fait. Ah, mais ils sont super accueillants, eux. Ah, mais c'est là d'où je viens que je suis con. Merde. Ah, bah non, je suis blessé. Oui, en fait, j'ai fait le tour. C'est un truc à 360 degrés. Je viens seulement de comprendre. Nul, le mec. En fait, j'ai pas à y retourner, c'est le 2 juin. Ah là 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 là. Pa, 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 pam, pam. Papi, pa. Ah, il y a une manette. Ah, au-dessus de moi. Oh, j'ai un vague souvenir. Il y a un truc qui est balèze dans cette phase-là, je crois. Merde, évidemment, tu ne peux pas l'atteindre. Il faut ruser. Mais comment, je ne sais plus. Il faut que je fasse de l'escalade. Attendez, 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 attendez. Il y a 50 manettes, peut-être? Attends, je vais vérifier qu'il n'y ait pas des manettes ailleurs. Prenons le temps de lire la pièce. Alors, repérage des leviers. Non, non, c'est le seul levier à... Apparemment. Attends, mais... C'est bien les niveaux qui te font réfléchir, là, usage de ta caboche. Le truc va vers là-bas. Ah, il faut pas faire le tour par hasard. Non, bah non, elle est trop petite. Enfin, elle est trop petite, elle saute déjà comme une boring. Comme une marsupilami. Je vais pas m'en plaindre. Attends, j'ai forcément un point de départ que j'ai pas vu. Mais sans déconner, on y voit quelque chose là ou quoi? Parce que même moi j'ai du mal. Pardon, c'est pas ça que je vais faire. Luminosité. Ah, j'ai permis la luminosité. Ah, je me sens mieux. On y va beaucoup mieux. J'avais faux au tout début, mais à cause des crashs du jeu, je sais pas pourquoi il a crashé tout à l'heure quand je voulais sauvegarder, il m'a bien énervé le jeu. Du coup, ça s'est réinitialisé, je suis revenu à 5. Alors que là, on voit vachement mieux. Hop là. Je sais plus si je l'ai fait avec toi, Cyber Jojo, évidemment, tous mes voeux hein, pour la nouvelle année. Santé, bonheur, prospérité. On a les trois, on est heureux comme un nabab. Et ça, je le souhaite à tout un chacun. Pourquoi j'arrive pas à trouver l'amorce du... De l'escalade. J'essaie de chercher sur les côtés, mais je veux pas. Oh, il n'y a pas quelque chose qu'elle peut escalader façon lierre ou je sais pas quoi là. Échelle.
J'ai pas pensé à regarder le décor dans ce sens-là. Mais c'est un truc qui se serait distingué, non? Attends voir. Les grilles, là, déjà, elle peut pas les escalader. Non, elle peut pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je retourne de là où je viens, c'est pas logique. Ce qui est marrant, c'est d'entendre le chant des oiseaux alors qu'on est à l'intérieur d'un temple de fous. Il n'y avait rien à ramasser, non? Non, dans la cour centrale, il n'y avait rien à ramasser. Il y a aussi l'inventaire. Il faut que je regarde l'inventaire de Lara Croft. Elle a peut-être un truc. Oh la vache. Non, il n'y a rien. On est où? On est dans le temple en ruine. Putain, tu m'étonnes. Alors là, le sage a vu la lumière. Oh mon Dieu. Et un truc tout con d'ailleurs que j'ai pas vérifié, clavier souris, il n'y a pas un truc où je pourrais l'avoir faire bouger la vue. Apparemment non. Non, bah non, ça correspond aux touches de déplacement, le pavé numérique. Donc je vais abandonner une idée. Presque logique qu'il y ait un. Si vous avez une suggestion ou une idée, n'hésitez pas. Hein. Là, je reste ouvert parce que je tourne en rond comme un clampin. J'arrive pas à trouver le truc. Ça s'escalade, ça? Non. Parce que la texture est plus compactée que les autres, mais. Ça veut rien dire. T'as aucune idée. Ouais. Pas à lire le niveau. Oula, c'était le truc en. Le hacheur qui se réactivait, on a entendu un coup de lame. C'est un truc. Pardon, chaud comme un niveau pour essayer de voir au-dessus, mais. Sur les côtés, là, il n'y a rien. Non, c'est vraiment la truc centrale. Si je rejoue avec le levier, je vais rien déclencher de plus. C'est binaire, c'est 0 ou 1. Ah, je peux même plus interagir avec le truc. Ça, c'est nouveau. Le jeu me l'interdit. Il n'y a pas une plateforme plus haute que les autres. Par un subtil saut, je pourrais m'agripper. Elle fait pas du wall jump. Je peux pas me précipiter contre un mur et faire un retourné acrobatique. Non, elle se le pète bêtement dans la tronche. La pauvre, elle mérite pas ça. Mais je crois vous l'avoir déjà dit une fois. Il y avait eu un sondage qui était rigolo dans je sais plus un magazine jeux vidéo par le passé
qui s'adressait aux fans de Lovecraft en disant ouais, vous l'appréciez vachement en héroïne de jeu vidéo, mais si elle devait prendre vie en chair et en os, est-ce que dans la vie réelle vous l'épouseriez? Et en fait, il n'y en a pas beaucoup qui ont dit oui. Parce que bref, l'aventurière, elle n'est jamais à la maison. Elle bute toutes les espèces protégées. Bref, finalement, on a beau l'admirer pour ses qualités athlétiques, pour le reste, il y a un souci d'ordre moral. En plus, sans déconner, en dehors des animaux de manière large ou des bizarreries, les monstres qu'elle a pu zigouiller, elle a quand même plusieurs meurtres sur la conscience, hein. Il y a plus d'un gugus qu'elle zigouille dans sa carrière. Donc, dur. Quoi? J'aime bien le côté aventurier, mais jusqu'à un certain point. Ouais, on est d'accord. C'est ça, en fait, en gros, que la plupart des joueurs ont préfigé. Merde! Ah, je me sens nigaud! Y a pas. Maintenant, je réfléchis au cube à déplacer. Mais il n'y a pas de cube à déplacer ici. Encore que celui-là, il est pas. Ah, putain. C'était ça. C'était ça. Il faut vraiment garder en tête les logiques de. J'allais dire de Minecraft. Non, le pousse pas. Fallait monter dessus. Les logiques de Tomb Raider. Soit tu escalades, soit tu pousses, tu tires, soit tu. Ouais. Il faut vraiment prendre le temps d'observer les textures. Donc j'étais pas loin tout à l'heure quand je disais voir s'il n'y avait pas un truc en lierre qui se dessinait pour pouvoir escalader. Bon bah c'est bien, on progresse. On y croit. Voilà. Ah. Aïe. Je sais pas pourquoi mais je la sens pas. Je la sens pas. Oula. Non! Le jeu a crash. Il m'interdit d'aller dans sauvegarde. Mais. En plus, il crache même plus proprement. Le truc est devenu inerte. Non mais c'est pas grave, je vais relancer le jeu, je vais forcer le truc. C'est pas la fin du monde non plus. Bah du coup je vais en profiter pour faire quelque chose qui me tient très à cœur. Attendez, 30 secondes. Bah voilà, le jeu a disparu. Alors, comme on dirait, par les pouvoirs qui me sont conférés, mon cher Cyber Jojo, comme j'ai 10 passes VIP avec mon nouveau statut à distribuer, tu es mon représentant officiel de la culture belge. Et avec ton grand talent de jongleur des mots, on va dire. Voilà, ça me tenait à cœur de te nommer VIP sur ma chaîne, mon cher Cyber Jojo. Voilà, d'ici quelques temps, tu vas avoir. Bah, ça y est, tu as déjà voilà, le diamant. Mais non, c'est pas trop d'honneur. En plus, t'es agréable, t'es bourré de talent pour les jeux de mots. Et crois-moi que je suis bien content de t'avoir. Puis, on se connaît depuis un petit bout de temps, hein. Du coup, ça doit faire de près d'un an qu'on doit se connaître déjà en ligne. Allez, je relance le jeu. Au moins, le crash m'aura permis de faire ça. Pack, book, book, book. On y retourne. Mais non! Mais non! Quelle responsabilité! Non, non, faut le prendre à la légère. Baba cool. Baba cool. Bah, j'en suis ravi. Ah, il faut que je remette la luminosité. Alors, attends. Voilà, 8 c'était très bien. Alors, je crois que j'avais pas fait la. Si j'avais fait la manette. Non, j'avais pas fait la manette.
Voilà. Voilà. Donc, tac. J'ai plus qu'à. Hop, je tire. Bon, j'avais dit que je le sentais pas ce plongeon. J'espère que le jeu va m'autoriser à sauvegarder. Je vais doucement. Je bouscule pas le jeu. Non, il veut pas. Oh! Mais pourquoi il veut pas? C'est bizarre ça. Je me souvenais pas que j'avais autant de soucis avec Tomb Raider 3 quand j'y jouais. C'est vraiment étrange, ce bug à la noix. Tac, tac. Bah alors, pourquoi le jeu est instable? Oui, c'est un complot. Là, on a passé à peu près 1 heure où il était stable. J'ai fait quoi? J'ai fait 3-4 jeux de sauvegarde. Ça se passait bien. Puis il y a d'autres moments, c'est. Voilà, là, dans le menu, ça va. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Voilà, je vais m'hésiter bien comme il faut dans le jeu. Oh! Vous savez quoi? Je me demande si c'est pas le réglage de la luminosité qui fout la merde. J'ai l'impression que le coup de la luminosité, il n'aime pas du tout. Si je passe en software mode, j'évite le crash ou pas? On va voir. Avec un peu de chance. Putain, c'est dingue ça. Bah, il faut y aller par combinaison, tâtonnement. Mais moi, j'ai le souvenir quand j'avais joué à Tomb Raider 3, du Mirage, j'avais pas la même carte graphique. J'avais une meilleure carte graphique. J'avais pas de soucis. Mais là. Est-ce que le changer la luminosité, ça tue le truc? Oui. Oui, là, il ne cherche pas le truc. La luminosité, il n'est pas content. Bah merde. Ah, chutoum. Bizarre. Vraiment bizarre. Moi j'avais une meilleure TNT2 avec 64 RAM, monsieur. Ouais, nostalgie quand tu nous tiens. Ah la vache. Ah, t'étais bien loti parce que moi honnêtement ma carte graphique, je pourrais même plus dire si, je pourrais même plus dire ce que j'avais au début. Je me souviens que j'avais un IBM Commodore un 386 SX 25. Mais alors, je vais refaire le truc en luminosité normale. Je vais sauvegarder là où je voulais sauvegarder. Et je vais quand même oser changer la luminosité. Ah, c'est pénible les bugs techniques. Rien du tout. Surtout que c'est vraiment le bug idiot, quoi. Bon, le jeu va pas me faire suer, je suis en droit de sauvegarder. Oui. C'est le coup de la luminosité qu'il aime pas en fait. C'est dingue. Donc je vais quand même y toucher une dernière fois, mais en espérant que le truc lui passe quoi. Enfin un peu de nouveau.
Ah oui, d'accord. Attends, je respire. Il y a un levier sous-marin. Alors ça, c'est une introduction au levier sous-marin. Ça veut dire, maintenant, pensez à regarder l'œil sous l'eau. Vous allez avoir des trucs à faire en apnée. Allez, Lara. On y va, on y croit. Voilà, là il y a une grille fermée, donc je vais avoir un levier. Voilà, c'était sûr. Alors, je pense à faire un retourné acrobatique pour gagner du temps. Voilà, stylé. Merde, c'est pas par là. C'est par là-bas. Ah, il y en a deux. Oh, les salauds. Les salauds. Ça y est, on a entendu le jbododododo de la porte. Non, c'est pas par là. C'est la porte là. Non plus. Bah. Bah merde. Attends, j'espère que je peux respirer là. Non! On peut pas respirer, au secours! J'ai pas compris. Faut que j'aille où? Faut que je revienne là? Wow, c'était limite. Attendez, j'ai pas pigé là. Voilà, hop, elle en a plein les poumons en y retournant. Vas-y, ma grande. Attends, là, il y avait un truc là. Ah! Oh! Tranquille. Je sais plus quel peuple, quelle civilisation c'était, mais ils avaient des piscines d'intérieur. Là, pour se. Comment dire, l'hygiène se laver, c'est l'idéal. Sans les piranhas surtout. Oh, c'est quoi le truc? Il y a un effet brouillard en lévitation là. Qu'est-ce que c'est que ce Oh merde! C'était une plateforme? Déconne pas. C'était un truc en dur. Ah, je veux bien les losanges. Voilà, ça fait de la vie en cadeau. Je prends. Oui, je vais vous lire dans le chat, je vois que ça bouge. Ah ouais, sort, sort, sort comme dans Fort Boyard, ouais, le coup de la clé, ouais. C'est ça. Attendez voir. Bizarre ça. Ah oui, là, alors là c'est du surnaturel. Là, c'est vraiment. Pardon, je rallume ma tablette, qu'elle se mette en vrai. Oh bordel, je viens de voir le levier. Dakodak. Ok. J'ai déclenché quelque chose, mais je sais pas quoi. Alors. Ah oui, c'est rigolo. Alors, j'ai certaines émoticônes. D'ailleurs, les miennes sont en cours de validation. Comme j'ai changé de statut là, affilié, vous allez. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais dans la semaine, j'ai bourré, parce que j'avais préparé mes trucs. J'ai bourré tous mes emplacements de dispo pour le début. Vous allez avoir 5. 5, mais j'ai mis 5. Le mec, il s'est compté. 5 émoticônes non animés. Les animés vont arriver plus tard. J'ai eu un message comme quoi c'est pas pour tout de suite. Déjà qu'ils avaient dit que non, ça aurait dû être pour le 1er janvier, mais on voit que le piratage leur a bousillé leur calendrier là chez Twitch. Mais ouais. Bah en fait, de tête, je peux déjà vous les décrire. J'espère que le jeu va pas bugger. Ah! Il a bugué. Merde! Ah, merde! Attendez voir. Est-ce que je peux pas faire moi un effet spécial pour vous? Que vous puissiez voir quelque chose de mieux? Parce que c'est vraiment sombre. Ah, c'est couillon. Attendez. Je peux pas appliquer un filtre? Apparemment, non. Non, je peux pas. Merde. Il me le propose pas à OBS. Ah, merde.
Ah, qu'est-ce que c'est con comme bug à la noix. Excusez-moi du peu, mais c'est vraiment agaçant. Attends, je vais le Tomb Raider parce que moi, ça me permet de garder mon interface quand je relance le jeu. Les résolutions sont pas natives. Oui, comment ça s'appelle? The Illuminati, là, le logo. C'est ça qui a déclenché l'agenda. Tu peux déclencher l'agenda aussi avec l'image. Pour être conscient. Et... Oh putain, faut que je recommence la phase là. Bon, ça va, je l'ai corrigé, donc... ça va pas être trop difficile. Donc, vous aurez un panneau de signalisation routière, le danger, exclamation. Le danger, exclamation, vous aurez quoi d'autre? Vous aurez ça, j'y tenais. L'émoticône information, un autre panneau de signalisation entre guillemets, avec un i blanc sous un cercle bleu. Pour dire, moi ça va me servir chez les autres, dire j'émets attention une information culturelle. Au lieu de taper info culturelle deux points et commencer mon baratin. Il va y avoir l'émoticône du tableau mystère. Moi le tableau mystère va m'aider au niveau de ma modération. Je vais programmer un truc pour que ma modération puisse rappeler les règles du jeu du tableau mystère, que j'ai pas encore programmé d'ailleurs, ça m'y fait penser. Merde, j'y arrivais mieux du côté opposé. Et d'ailleurs c'est con, mais je voulais d'abord la saper avant de lancer la molette. Enfin, lancer le levier là, le truc. Je suis plus... Non, oui, non, j'avais bien tout avec elle, je crois. Hein. Oui. Et les deux autres, je sais déjà plus. Surprise. Honnêtement, je sais même plus ce que j'ai programmé. Mais ça viendra, ça viendra. Je pense que dans la semaine, ça va être déverrouillé. Je connais pas les délais. Mais je pense pas qu'il leur faille 3 semaines pour passer les contrôles de morale et de bon goût. Oh merde! C'est chronométré! Non! Ah, il faut que je regarde en faisant face au truc. Ah, c'est ça, hein! On a trouvé ce qui provoque le bug. C'est le changement de luminosité, le jeu aime pas. On a tant pis, hein, Oh merde! Non, c'était pas le bon truc. C'était pas le bon sas! Ah merde! Aïe 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 aïe! Oui, bien sûr que t'as pas fait exprès, mais. Merde, j'ai oublié de déclencher le coup. Bon, je vais me concentrer 5 minutes, moi. Il se passe quelque chose. Oh! Merci Cyber Jojo, tu t'es abonné! Voilà, merci tout plein. Et ben, voilà, j'espère que ça va te donner satisfaction. Oh, merci du soutien! Peut-être vous êtes déjà deux aujourd'hui à. Je m'attendais pas à ce que vous soyez dans la frénésie de... Attends, je cours. Cours, Lara, je me suis trompé de touche! Je l'ai mise accroupie! Je l'ai mise accroupie alors qu'il faut courir un sprint. Bah, merci tout plein! Mais ça fait plaisir, mais du rien. Attends, c'est déçu quand même. Alors, attendez. Le sprint, c'est... Allez, vite, 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 vite! Cours, cours, Lara, cours! La clé! Ça! C'est ça. Voilà. Nous avons réussi. Et je vais encore sauvegarder. Non, en fait. Voilà, merci. D'ailleurs, il faudra que je change le son. C'est le son par défaut. Gring, gring. J'en ai plein. Il faut que j'en trouve un pour. Enfin, je m'enregistre en fait pour dire merci pour les abonnements. Ah, y'a quelque chose à ramasser. Non, c'est quoi cette logique à la con? Mais c'est quoi qui est ouvert? Au secours! Lara Croft va mourir! Non, regarde la mort en face!
J'aurais dû repérer les lieux avant. J'en mettrai pas maman à couper SDR Fun Fan qui s'abonne. Pas sûr. Oh, j'en suis pas certain SDR. De toute façon, je demande rien à part passer des bons moments ensemble. Mais à mon avis, pas sûr que. Enfin, l'avenir nous le dira, mais j'y crois pas. Oui, alors attends. Ah! Oh, j'ai pigé! Oh mon Dieu! Oh, cette épreuve de fou! Attention! Alors, pour gagner du temps, spin, spin! Allez, vas-y, ma grande! Vas-y, fonce, fonce, fonce! Fonce. Allez, 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 c'est ça! Ah, c'est trop tard! J'ai toujours su qu'elle allait percer dans le métier. Quick. Ah. Alors là, je suis content parce que j'ai sauvegardé au bon endroit. On y croit? On y croit, on y va. Allez. Non, pas ralentir, pas ralentir. On peut le faire. Oui, très bien. Retournez. Oh oui! Elle est extraordinaire, cette fille. Ah, oh, magnifique. Je sauvegarde. Pardon, faut que je vous dise. Oh! Oh oui, SDR. Oh non, c'est pas vrai. Calomnie. On l'appelle Lara Crêpe. Oui, bien! Ah, je suis friand des jeux de mots. Merci. Lara Crêpe. Oh mon Dieu. Bon, lui, il va se réveiller, c'est sûr. Alors, j'ai une clé, c'est génial. La question est où est la serrure? This is the question. C'était pas à l'opposé par hasard. Oh, putain, ça m'a fait peur. Ah merde! Mais la piscine, il y a eu un éboulis! Ah merde! Ma belle piscine s'est devenue une étendue de boue. Quelle horreur! Attends, il n'y a pas des trucs à ramasser sur les côtés là. Parce que du coup, on a une autre lecture du niveau. Non, ça penche trop. Bah merde alors. Ah non, je peux pas revenir là. J'ai une barrière qui me dit non, non. Tu... Oh merde, elle est en train de perdre de la vie. Ah, faut que je recommence. Là, je suis en train de la faire mourir codement. Mauvaise idée. Ah, c'est beau. D'ailleurs, je peux pas ramasser d'autres trucs une fois que le machin est passé. Parce que le mur, il va s'encastrer comme un igloo. J'ai pas pensé à ça. Attends, faut pas que je m'approche du truc. Attendez voir. Y a pas un truc derrière? Ah! Mais oui! Eh oui, de l'intelligence du level design, comme ils disent en anglais. De l'intelligence du dessin du niveau. Ah oui! J'ai bien fait de revenir sur mes pas. Alors attendez. Moi, il faut que je. Hop là! Oh vache! Oh merde! Elle est morte! Elle s'est prise les boulies dans la tronche! Merde! Elle a été tuée par la chute du rocher. Oh la vache! Voilà, on sait que c'est là. On va essayer de faire de l'économie d'une torche. Oh le con! Ah là 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 là. Ouais, les marécages, c'est vie ou la mort, ouais.
Alors attends, merci, il y a un peu de lumière. Ah, c'est couillon cette histoire de bug, de luminosité. Attendez, j'ai un peu le rendu. Alors, honnêtement, vous voyez un chouïa plus clair que moi. Moi, mon signal original, il est plus sombre. Les contrastes sont plus prononcés. Alors, c'est quoi? Il faut que je m'avance au bord pour déclencher le script ou Non, bon. Attends, ou alors faut que je saute sur le côté. Voilà. C'est bien de prendre de l'élan parce que du coup, j'ai déjà fait la moitié du trajet dans le marécage. Apnée, apnée, apnée. Vite, vite, vite. Ah oh non, peur de la vie. Ah, j'ai pas sauté là où il fallait. Oh merde. En fait, l'extrémité, là, l'autre rive, c'est en cuvette en fait. Donc, comme je suis allé sur le côté haut, je peux pas m'accrocher. Eh ben, c'est con, mais instinctivement, au début, j'avais réussi. Ah merde! Ah, c'est ballot ça! Aïe aïe aïe! Ouais, non, comme tu dis. Le désespoir. Nope. Alors. Ouais, mais. Je vais me prendre le truc dans la tronche si je fais ça. Ah non. Là, c'est passé. Allez, là, vite, 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 vite. Vite! Vite! Mais non! Mais pourquoi elle monte plus? Bah, comment j'ai fait la première fois instinctivement? J'y arrive plus. Pardon. J'ai mon pif qui me démange. Bah merde alors. Ah, je comprends plus rien. J'ai pif oublié. Attends, prends pas, hop. Merde. C'est quand même dingue. Hop là. Lara va arriver à un moment, faut remonter. Oui, bah c'est une semi-frustration. Parce que on sait ce qu'on doit faire. C'est juste qu'on maîtrise pas le truc. On est bien d'accord. Maintenant c'est logique, je peux pas remonter sur le. Ou alors il faut que je passe par le côté opposé. Si je fais ça. Ah non! Là, voilà, double éboulis, elle est morte là. Donc il faut que je passe bien par Putain. C'est dingue. En fait, j'ai eu une chance insolente à mon premier essai. Et j'arrive pas à provoquer la chance. Mince. Alors là, vas-y, prends la petite trousse de secours, vous les boulez, on sort de là. Ça, c'est pas une difficulté en soi. C'est après que les choses se gâtent. Tac, 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 tac. Ah, elle a encore pied là. D'accord. C'est la partie centrale. Eh ben, c'était tellement chiant que je vais sauvegarder là. Histoire qu'on n'ait pas à le refaire 50 fois. Merci. Oh, j'ai des emplacements libres. Bah, je les garde pour plus tard, les emplacements libres. Je vais réécraser ce que j'ai fait avant. Ce serait bien. Alors attendez, pardon, faut que je vous lise. Oui, c'est bon pour la peau, ouais, les bains de boue. Oh mon Dieu. Attendez voir. Tac, tac, tac. Oui, on est d'accord, mais j'ai pas de. Non, non, mes émoticônes ne sont pas. On verra peut-être cet après-midi, quand je rejouerai cet après-midi. J'aurai peut-être mes émoticônes de déverrouiller, on verra d'ici là. Peut-être une question d'heure. Ah, je me disais, on fait quoi là? Attention. Je me méfie des serpents aussi. Attends, cours pas là, cours pas. Ne cours pas. Il y a un choix ici quelque part. Cette musique.
Oh, il y a une petite torche à ramasser. Je dis oui. À moi. Une torche, une torche, une torche. Allez, go, Lara. Attention. C'est où que ça, je crois. Wing, wing. Oh merde! Alors, Lara, qu'est-ce que t'as? T'as l'air à plat aujourd'hui. Oui, le cybermatous, c'est mon compte secondaire de modération. Bah là, pour le coup, ils m'aident bien, puisque mon écran secondaire, mon habillage, mais ma disposition de fenêtre a sauté à cause de Tomb Raider 3, que je joue pas dans la résolution, bref, voilà, toute mûche. Du coup, ma tablette me sauve. Si j'aurais pas ma tablette, là, je pourrais pas vous lire avec mon compte de modération. Je suis bien content de l'avoir. Ouais, Lara, ça roule bien. C'est ça. C'est exactement ça. Oh mon dieu. Bon, dans ce rigole, il faut que je maîtrise le truc. Ah là, j'ai déclenché le truc. Hop là. En fait, faut voir quelle est la case qui déclenche le piège. Ah, attends, le truc doit pas être loin. Ah, on l'entend plus. Oh. 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 Ah. Oh mon dieu. Ah, cours. Non, merde. Quick. Couché, oui, mais pas comme ça. Oh la vache. Dur. On va y arriver. Et je suis comme une poule flipper qui roule. Ah, voilà, je vais là. Et là, il y a quoi? Attendez. Autant ne pas scoltiner 10 fois les mêmes trucs. Ah bah là, il n'y a pas de piège. Bon, ok, j'ai tiré parce que j'ai mis ma claque qui m'a fait flipper, mais à part ça... Ah bah si, il était là, le... Voilà, il n'y a plus de ma claque. En fait, j'avais pas pris la bonne porte. Oh, je la sens pas, là. Je la sens pas du tout. Ah! Au secours. Plus d'agression, ils sont mourus. Oh, c'est quoi là-bas? Attends, je rouvre une torche parce que. Enfin, j'ouvre. J'allume une torche. Y'a rien? Si, y'a quelque chose. C'est goézé. Oh. Ah. Je peux m'agripper. Ouais, c'est ça que je cherchais tout à l'heure dans le truc central. Peut-être aller un peu vite en besogne, j'ai pas... Enfin, physiquement... Avec les ongles. Elle arrive avec les ongles à rester accrochée. Alors... Je sens qu'il va y avoir du grabuge. On y va. Non. Je reviens là? Ah, mais oui, j'ai la clé maintenant. Oh, ce dessin du niveau est parfait. Merde, il en faut une deuxième. Non. Comment ça, non? J'ai pas la deuxième? Ne me dis pas que j'ai oublié de ramasser une clé.
Non. Je serais passé à côté d'une clé? Des bonnes barres. Attends. Non, la suite est là. Oh! J'étais en lévitation de macaque. J'ai pas rêvé. Voulu. Alors, je vais me le noter moi pour mes clips. 10h44, macaque volant. N'importe quoi. Faut vraiment que je prenne le temps quand même d'explorer et de chercher les objets. Ouais. On sent qu'il y avait quoi là dans le truc. Oui, il y a une grille. Bizarre. On y reviendra si je... Si je... Hop, 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 hop. Ok, c'est du coucou. Maintenant. Ah! Non, c'est pas ça que je voulais faire. On peut rester tranquille en surface. Pour remonter au bon moment. Ouch! Oh la pauvre, elle s'est cognée. C'était pas sous-marin le truc, si c'était ça. Oh là, c'est quoi cette cavité de fou? Un truc au fond. C'est quoi? Ok! Non, c'est une sorte d'émission de gaz, d'air, je sais pas, de bulle d'air. Génial, cuite Lara Croft. Ouais, il manque toujours une clé comme dans. Ouais, dans ton. Dans Tomb Raider. Dans. Fort Boyard. Ah oui, alors il y avait une maquette que j'avais pas compris. En fait, il est pas menaçant, la maquette. Oui, non, il n'est pas menaçant le macaque. Donc je vais pas l'agresser s'il ne m'agresse pas. Donc on est d'accord, hein, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de. Pas de truc à récupérer. S'ils m'en veulent, si ils veulent en découdre, merde. Oh voilà. Bon. Eh ben, autant prendre le losange, je le reverrai pas d'aussitôt. Hein. Mais non, il n'y avait rien d'autre à ramasser en fait. Ah, presque. Si à un moment je reviendrai pour mettre le clé, donc je vais pas faire l'usage du losange tout de suite. Je pense que je pourrais intelligemment. Utiliser le losange à mon retour pour la deuxième clé. Là, je suis content. Par rapport à hier, j'ai eu des moments de flottement. Là, mon rythme est bon.
Ah oui, le macaque volant. Oh merde, il y en a un autre, j'avais pas vu. Bah tiens, du coup, comme je suis là, je vais regarder ce qu'il en est. Bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Oh, c'est beau, la vue là, elle est belle. Stylée. Ça pourrait faire l'objet d'un fond d'écran. Ah, attendez, comme un ego, je rebalance les petits cœurs spontanément dans le chat. Parce que ça me permet de garder la veille de de ma tablette. C'est quoi, c'est un levier ça? Ah non, j'ai cru. Dans le dessin de la texture, j'ai eu un doute. De voir le truc vertical, j'ai cru que c'était un machin qui se tirait. Non, bon, voilà, j'ai envie de dire que c'est une salle lambda. Ah oui, alors il y avait ça, c'est vrai. Alors, faut que j'aille au bon moment. Alors, que je me fasse pas avoir comme tout à l'heure. Ça part, je passe sur le côté là-bas. Ah non! Je me suis fait toucher par un éboulis. Oh la malheureuse! Ah, c'est un lance-fléchette! C'est un lance-fléchette qu'on entend. La vache! Le truc qui fait. Alors, où est-ce que j'ai le droit d'aller, où est-ce que j'ai pas le droit d'aller? Ouf, elle est vivante. Il y a une partie où il y a d'ailleurs je peux m'agripper. Ah, il faut que je fasse un retourné acrobatique. Ok, bien. Comment dire? Nous allons sauvegarder pour cette bonne progression. Chiki-pouk. Du coup, si je vais là, il se passe quoi? Oh, j'ai des souvenirs avec cette salle. J'ai une réminiscence. Je me souviens d'avoir joué. Par contre, j'ai pas la solution en tête. Hein. Je vous le dis tout de suite. Oh, la vue caméra. Merci. Ah, en face, j'ai un truc à ramasser. Qu'est-ce que je veux faire? Aller là-bas? Aller là-bas? Aller là-bas? Et voir ce qu'il y en a. Non, c'est pas ça. Bon, ben j'aurais pas volé la prise de secours. Oui, c'en est une, hein? Oui, c'est ça. Ah, j'en vais pas s'en priver. Et puis, je recommence les acrobaties. J'étais arrivé.
Quand je pense qu'il y a une exploitation commerciale de Lara Croft pour les voitures, vous vous souvenez des pubs à la télé c'était quoi? C'était Opel ou c'était Fiat? Je sais plus. Non, c'était les Espagnols. Seat, c'était Seat, je crois. Oh, c'était dingue cette époque-là. Ouais, ça te dit vaguement quelque chose. Ouais. Sauvegardons. Est-ce que je peux avoir la caméra qui suit le mouvement de Lara Croft? Non, c'est interdit. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, voilà. Non, faut que j'aille en face. Ah, faut que je monte là. Ah non. Merde, là. Là, je piche plus. Il y a un truc en face. Mais non, je vais de là. Oh mon Dieu, c'est un truc qui s'escalade. Ça se lie à la texture. Bah alors. On n'a rien vu, on recommence. Quoi, il faut que je... C'est ridicule. Ah non, c'est pas ridicule. Ah ouais. D'accord. Ok. Ah, et je peux ressortir là-bas en face. Oh la vache. C'est juste que je suis un étage plus haut maintenant. Alors, je fais mon gnangnan, hein, mais je sauvegarde à tout va, de cube en cube, histoire qu'on progresse pour de bon. Mais ouais, je suis très content. Merde, mon rythme est bon de progression. On n'a pas les flottements. Elle a fait aussi des pubs pour un soda britannique. Ah ouais. Merde! Putain, je rigole, parce que j'entends le chant des oiseaux. Le chant des oiseaux me fait marrer. Mais non, ma portée de saut est trop grande, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, mais j'arrive pas à savoir quoi. Si je fais ça, j'ai pas la portée aussi. Ah si! Oh putain, merde! J'ai pas besoin de prendre d'élan. Et là, je peux rien, faut qu'elle aille en face, non? Ah non. Ah là! D'accord. Ça devient stressant. Ah, la bestiole m'a empoisonné. Non. Il n'y a pas d'antidote. No antidote. No. Faut brûler la morsure pour stopper le venin. Allez, brûle-toi là. Douleur sur la douleur. Je vois pas comment je pouvais ne pas me faire mordre, hein, entre nous. Mais l'effet du venin s'arrête au bout d'un moment ou je suis foutu, foutu pour foutu. Là, je veux bien faire usage d'une trousse, mais attendez. Ah oui, c'est en fait la trousse contient un antipoison. Oh la vache. Oh, ce parcours de fou. Attendez, je vais vous lire. D'ailleurs, c'est con, mais je suis obligé de faire comme ça.
merde! J'ai une crampe, oui. Ah oui, t'as une crampe, oui, la pêche, oui. Et si je dégaine, je peux pas. Ben non, il est hors pot le naga. Je peux pas le viander du coup. Alors il faut que je saute avec les flingues. Ah, tu m'étonnes. Il est 11 h. Oh la vache. Le temps passe à une vitesse. Eh oui, tu as une crampe, mon cher SDR, ça te fait louper ta prise. D'accord, je peux pas faire un truc. Oh merde! Mais non, mais c'est quoi cette bouse? Mais c'est pas possible! Oh la vache! Il faut faire saut avant, saut arrière. Oh les salauds! Attendez. Faut que je me retape tout à cause du boulet de chiottes. Ou alors, est-ce que je peux pas sauter par-dessus le boulet? Est-ce que c'est possible ça de sauter par-dessus le boulet? Ah oui. Ah oui. Oh merde. J'avais pas vu qu'il y avait des cuics. Oh merde. Pour le GG. Ah oui, j'aurai mon propre GG dans les icônes. Oh la vache, le truc en bas il était hyper cuit. C'est la vie gratis. La vie gratis. Oh, il n'y a plus qu'à ramasser en face. Faut que je retourne en face. Il y a quelque chose en face à ramasser. Torche, on n'y voit rien. On y voit ce truc. Il y a un truc à ramasser en face. Ouais. Une touche de feu. Il est plus que de la galette. Alors, je crois qu'il faille descendre. Allez, accroupis là. Ah oui, c'est légèrement glissé. Ça fait une ébattue. Oui, merci pour les yeux. Quoi? Ça vous chauffait? C'est sérieux? Oh, serpent. Je vois le serpent. Fichu serpent. La progression est bonne. Je dis. Ah bah j'ai encore de la réserve à sortir, c'est cool. Oui, ça veut dire que je reviendrai pas ici, alors quand on a besoin. C'est pas pour des égratignures, mais c'est pour sans doute une montée. Ah! Se battre avec la caméra dans Tomb Raider, c'est terrible. C'est un jeu dans le jeu. Bon, bah, je crois qu'il faille que je saute.
Un petit saut de l'ange? Allez, mets toute place. Oh, stylé! Mais non, pas saut de l'ange. Attends, j'ai pas de progression, je suis. On est bien d'accord, j'ai pas d'objet. Attends. Quel était l'intérêt de mon truc là? Je comprends plus. C'était quoi l'intérêt de mon. Ah non, mais il y a un truc sur le côté. Non? Oh, j'ai ramassé des trucs. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Je sais pas, j'ai ramassé des trucs, mais c'est tellement sombre que je. Bon, dans le doute, autant faire usage d'une torche. Ou alors c'est vraiment une salle secrète. Et j'ai rien à foutre là en fait. La position est ailleurs. Bon, bah on va revenir en arrière. C'est pas la suite, c'est bien un truc de simulation. Comment je fais pour revenir là? Je suis obligé de me recopier. Oh. En fait, ça sent unique le truc. Alors, autant voir ce que je ramasse. D'accord, ça c'est des munitions de je sais plus quelle forme. Et l'autre c'est. Des Uzi. Ok. Bon bah si, c'est parti pour ce blanc. Bizarre. Wow! Il y a un truc qui m'a empoisonné. C'est ça les choux. C'est les fléchettes. C'est ça en fait. Oh là là. Je me suis fait avoir comme un bleu. Nul le mec. Ah bah vous allez l'avoir le saut de l'ange. Vous allez l'avoir 10 fois là. Espoir. Ouais, c'est plus de tête là pour le coup, mon cher SDR. Hop. C'est reparti pour le jeu de sauvegarde. Hein. Parce que je sais plus ce que je dois faire. C'est en face qu'il faut que j'aille. Merde, j'ai mal visé. J'ai bien fait de sauvegarder. Nul le mec.
la truc à escalader. Oh, j'ai loupé! Oh merde! Ou alors c'est un simple saut qu'il faut faire? Attendez, oula, j'ai des trucs qui bougent. Qu'est-ce qui se passe? Non, voilà, là il n'y a pas assez de. Attends que je suis bête, mais je peux aller en arrière là, mais. Ah, remarque! Elle est plus haute du côté là. Comme c'est un truc un peu ferme. Eh oui! Oui, non, c'est Wesbot qui faisait son baratin pour lequel je l'ai programmé. Attends, c'est 4 fois tu iras bien la machin là. Voilà. Ça va plus vite. Là, je sais qu'il ne faut pas prendre d'élan. C'est là qu'on peut aller en face, mais avec de l'élan. Voilà. Là, en face. Ah putain! Pardon, j'ai merdé mon appui de touche. Oh! J'étais en train de faire un enchaînement parfait. Boum. Ah, c'est rageant hein, quand tu loupes une combinaison simple de touche, mais j'ai pas appuyé dans le bon ordre. Perte de temps. Voilà. Merde, je suis allé carrément dans le truc à poison. Oh là là. Oh le con. Je suis nul. C'est la brute que j'ai fait. Torche, on n'y voit rien. Il n'y a pas un truc à pousser, il n'y a pas. Ah, vous avez vu qu'il était dans le dernier jour. Comment ça, je suis touché par les lames? Je suis à une mince. Ah, elle est plus basse celle-là, j'avais pas vu. Pas une dalle à pousser, mais pas. Ah si, ça se voit, il y a une dalle à pousser. C'est ça en fait. Ok, la suite elle est là. Ça y est, je suis fini par avoir vraiment le bon réflexe de Tomb Raider. Ça revient. Non, de quoi ça. Ah, c'en est une autre. Oh là là. On se croirait dans mon jeu, vous savez, de FPS Retro là, que je jouerai demain matin. Le Tomb Raider 7. Tu tapes du mur pour essayer de pousser le décor. Ah là là là. Oh, toi aussi, t'es devenu un camarade de SDR. Et t'es tout juste un intrigué, Cyberchouchou. Même moi, là, mon compte de modérateur, il est très bas niveau. Il est simple curieux. On voit que je m'en sers facilement. Alors. Oh là là. On va faire usage d'une torche parce qu'on n'y voit rien. Le temps passe vite. Ouais. Ouais, le temps passe vite. Voilà. C'est ça. C'est quoi cette musique? Putain, ça faisait musique des années. Bah de l'époque, les années 90 là. Ah bah la vache! On se serait cru dans un Starkey Hutch.
Les méchants arrivent, vite! Va te cacher! Je crois avoir fait le bon enchaînement. Alors, lumière, please. On n'y va rien sur ces galets là. Il n'y a rien de rien? Ah bah ça va péter les boulets, y a pas de... Non y a rien hein. Bon la rattrape, tiens, s'il te plaît. Avec les caméras. Bon, on voulait voir s'il y avait pas un truc secret. Non y a rien de secret. En bas y a quoi? Bon, en bas y a la mort, donc on va pas y aller. Visiblement. Je ramène une torche parce que je dis beaucoup de pluie. Vite dans l'eau. Pourquoi j'ai été touché par un poison? Bah, pourquoi je reviens là, moi? Il fallait pas aller là, à mon avis. S'empale, c'est un truc piégé. Attends, là je sais plus lire le niveau là. Là à mon avis j'ai mal observé la salle du haut là. Oui Lara, tu connais le chemin. On espère. Merdez l'enchaînement. C'est sûr, j'ai pas l'air. C'est peut-être là qu'il faut descendre alors. Là où je dis que c'est la mort. Non? Ah non, c'est vraiment la mort. Hein. Merde alors. Je comprends plus. Non, non, là c'est vraiment la fosse. Si on est dedans. Là il n'y a rien, j'ai pas le temps de voir, merci la torche. J'ai vraiment le sentiment qu'il va y retomber dans le. Attends, c'est pas possible, j'ai niqué la clé là. Merde, j'y retourne. Quel est l'intérêt de revenir après que j'ai tout escaladé, de retomber dans le. J'ai loupé la clé, c'est pas possible. Avec la luminosité là qui bug, hein? Quand voulez-vous que je vois où la. Alors c'est pas grave, on peut s'amuser à déclencher le piège. Voilà, je vais revenir en arrière. J'ai pris la clé, c'est pas possible. C'est pas possible, comment? Où est l'intérêt de venir ici si je récupère pas la clé? Je piche pas. Je piche pas du tout là. Merde. Il y a peut-être encore un truc que je dois pousser peut-être. Non. Ah, attendez, c'est pas fini. La partie de pousse-pousse partie continue là. Ah non. Alors il y a une combinaison à faire. Non, celui-là. Alors celui-là, il est.
Attendez. Il y a un goût tout roche là. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce bins? Vous avez vu à quel point je peux jouer avec les cubes? J'ai dégagé un passage là quoi. Putain, c'est trop bizarre. Celui-là il bouge pas, il est immuable. Celui-là il est immuable. Ah, celui-là il est muable. Enfin, sauf que je l'ai pas mis en position de bouger. Attendez, là, il faut que ça s'usage du cerveau là. Là, il y a une logique de déplacement de trucs. Du coup, je vais pouvoir pousser le clap plus à fond. Il y a un truc? J'ai déclenché un truc dans la piscine. Ok. Déclenché un truc dans... Attendez, je vais sauvegarder parce que je veux pas refaire les blocs là. C'est chiant. Merci, ouais. Comme quoi, il faut vraiment réfléchir. Bon, on peut aller dans le machin là parce que c'est du. C'est du fait, d'accord. Oh, je vais me faire avoir pour le poison, je crois. Non, ça va. Si, merde, il m'a touché. Cochonnerie. Mais du coup, je vais se poser, non? Santé. Ouais, mais le ménage, ouais. Je vous trouve pas bien. J'ai déverrouillé un truc, mais j'ai pas compris quoi. C'était dans l'autre pièce là-bas? Je crois que c'était cette pièce là où je disais mais il n'y a rien. Là maintenant il y a un truc. Mais lequel? Ah c'est ça? Mais non c'est pas ça, c'est fermé. Attendez, ça c'est fermé. Je comprends plus là. Qu'est-ce que j'ai déverrouillé ici? On a bien eu un plan de caméra fixe sur la piscine. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui était... T'as cru voir un levier dans l'eau? Ok, bah attends, on va y retourner avec une torche dans le pif. Non. Bien, bonne idée, hein. C'est crédible, hein, mais non, non. Ah oui, pardon. Merci SDR, Cyber Jojo, pardon. J'ai du caca dans les yeux. Youpi. Heureusement que vous êtes là. Allez, go. Oh merde, c'est la clé en plus. Je déconne pas. Ah, c'est la clé qui nous manque. C'est pas comme si c'était indispensable. Merci Cyber Jojo. Oh la vache. Ah ouais, bien vu hein. Faut vraiment avoir l'œil. J'aurais pu tourner en rond comme un hibou pendant une heure. Il faut que je revienne par là-bas moi pour avoir ma... Je sais plus, avec tous ces éboulements machin, j'ai le droit de passer par là, pardon, non?
Je sais plus. Le grand sas de machin toute muche. Oui. C'était ça. Et là, je vais faire usage du losange qui est dans mon dos. Ouais, c'est pas un levier faculté. Ça y est, le grand sas tout ouvert. À moi le losange. À moi la vie gâteuse. De l'intérêt d'économiser les losanges. Ah bon, on était bien. Mais tant pis, bon, bref. C'est pour le symbole. Tiens, je piétine les victimes. Le truc qui se fait pas. What? Je panique. C'est possible. Ah, il faut grimper. Oh mon dieu. Vite. Dans la vite, vite, vite. Bon. Que dire? Oh la vache! Attends, elle est dans le bon sens, oui, elle est dans le bon sens. Allez, vas-y! Cool. Offert par la maison, le losange. Mais le coup de ce losange, j'ai vraiment l'impression que c'est un clin d'œil à la toute première version de Tomb Raider 1, où on pouvait pas se regarder où on voulait. C'était des losanges mauves. Et ça mettait un cran de difficulté bien plus élevé à l'époque pour le premier Tomb Raider. Là, elle peut pas. On pourrait croire, mais faut pas déconner. Ah, le coup des blocs à pousser, c'était vicieux, vache. Là encore, il va falloir faire observation. J'ai l'impression qu'il y a encore un bloc à pousser. Ouvrez-moi la porte. Bon, lumière. Et la lumière, choix. Celui-là, il bouge ou non, il bouge pas. Il y a un levier que j'ai pas vu, il y a quoi? Ah! Ça. Alors, qui est? Tu dois grimper. Ah, il faut que je m'en serve pour. Non, c'est le fait de. Monte dessus, monte dessus, madame. Voilà, saut. J'imagine que c'est. Oh là! Que ça va m'aider à. Non. Merci pour le saut, Lara. À tout faux. Là j'ai rien à. Non, j'ai... Donc, c'est en face que ça se passe. Mais oui! C'est logique. Ah, devant le quick. Devant le levier. Ah, attendez. Il y a un autre levier. Bah oui, symétrie parfaite. C'est pas drôle là.
Ah! Ah merde! J'avais pas sauvegardé après ça! J'étais pas prêt! J'avais oublié, moi, depuis! La mémoire est sélective! Oh merde! Bon, au moins, voilà, c'est comme la dernière fois, on sait ce qu'il faut faire: deux macaques à tuer, pousser le bloc, tirer la manette. Allez, go! On perd pas de temps, on y va! Dans la joie, la bonne humeur. Le bloc, il était là-bas, je crois. Ouais, c'était celui-là. Allez, hop. J'aime bien son gémissement. Oh, les petits oiseaux qui chantent. Oh non, 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 t'as tête, Lara, dis-moi, Lara. Alors, j'arrive à envoyer mon truc, moi. Allez, go. Avec Elan, je crois. Donc, je le rappelle, cet après-midi, on va continuer le Resident Evil Zero. Alors. Je peux pas feinter les rochers. Oh, il doit y avoir moyen, non? Il est où ce qu'on appelle techniquement en anglais trigger? Il est où le déclencheur? D'avoir la logique vidéoludique. Et là, je sauvegarde comme ça. Pas chiche. Merde, j'ai fait planter le jeu! Faut que j'arrête de faire l'idiot. Non, ça va. Ça va. Ah bah du coup, ça m'arrange. Parce que je revois sur mon écran secondaire le chat. Y a quoi sur le côté des portes? Oh mon Dieu, il y a des flammes. Les flammes de l'enfer. On va y goûter apparemment aux flammes de l'enfer. Oui, je me fais peur tout seul. Oh non, mais ça, c'est tout moi. Mais attendez, il faut faire quoi? C'est un cul-de-sac? Je suis fait prisonnier. Au secours! Je ne suis pas une célébrité, mais sortez-moi de là quand même. Attendez, je pige plus. Mais elle va se brûler le cul, là. Dans la face, une plaine là. Ah non. C'est parti! Alors, les moustiques là, ils sont pas évidents à gérer. Allez, viens par ici, vilain. Bon, j'ai pas beaucoup de cartouches de fusil là, ça me met mal, hein. Ah, j'ai tiré dans le... Oh! Merci. Enfin, je l'ai quand même touché, mais... Hey, j'ai pas beaucoup de fusils, moi. J'espère que l'autre va pas se réveiller tout de suite, hein. Je recommence. Il faut que j'arrête de tirer comme un igloo dans le décor. Parce que je vais pas m'en sortir, moi. Attendez, c'était quoi? C'était quoi? C'était ça? Je suis perdu. Non, c'était là-bas. Avec la suite de l'aventure. Bah, je pense qu'il y a, un parallélisme. Je peux. Oui, il y a une symétrie. Je peux
nettoyer aussi bien d'un côté que de l'autre. Sauf que là, j'espère qu'il y a des cartouches. Ah, c'est pas le bon plan, on le sait déjà. Le retour de Shiva, c'est ça. Si je rentre dans le lac, ça, bah oui, ça marche pas, il part vraiment. Mais le début, le temps qu'il reprenne son animation, j'ai vu du sang. Donc ça veut dire qu'il a morflé. Voilà, là j'ai déjà eu 3 tirs gratos. Vache. Ce jeu du saut retourné. Et là j'ai plus de munitions, ça va être mon dernier tir, ça va pas. Oh bah la vache. Mais c'est la caca s'il y a le deuxième. Parce que j'ai plus de munitions. Merde. Ah il donne des trucs. J'ai bien fait de me pencher. J'aurais dû le faire avec l'autre, j'ai pas songé. Il m'a donné quoi? Pas de munitions, merde. Je sais pas ce qu'il m'a donné mais bon. Oh, non, faut que je sauvegarde moi au lieu de faire vidéo avec les torches. Ah, j'ai récupéré un. D'accord. Comment t'appelles ça en français? Une serbe. Une serbe. Voilà. Une épée du peuple arabe. J'ai oublié le nom. Un sabre, merci. Oh, dur. Merde, je suis tombé comme un caca, il fallait pas. C'est sur l'autre qu'il y avait quelque chose. Ouais, ça fait escalier en plus. Touk. Alors. Non mais y a rien à ramasser. Alors, vue d'ensemble du truc. Il faut falloir que je fasse usage du sabre, mais où? Ah, là-haut, il n'y a pas un truc. Il y a quelque chose. Ah, c'est celui qui n'avait plus de sabre. Oh non. Oh non. Alors lui, à mon avis, il faut que je l'épareuse. Le sage a récupéré une serbe. Ouais. Les éclats des balles sur le. Bon bah je crois qu'il faille que je descende dans l'arène et que je passe mes muses avec, si je puis dire. Oh là là. Oh. Bon bah je sens que ça va être un long travail d'usure. Oh.
fusil à pépon est très pratique, mais... Allez, découvre-toi, sagouin. Allez, découvre-toi. Découvre-toi. Je vais mettre 2-3 balles. Terrible. Hein, c'est un coriace le machin. Je sais que je le touche, à l'usure je l'aurai, je sais pas combien de points de vie il a, pierre organique, j'ai envie de dire, enfin genre tout ce qui est minéral, c'est pas logique. Ah c'est des couleurs, en fait c'est une question de temps, le temps qu'il se découvre. Ah ah ah, il a gémi. Il a gémi, mais. Moi je veux le gémissement final. Ah ah, je l'ai trop saucé là. C'était pas mal la technique. Je lui ai fait croire qu'il en a eu. C'est moi qui l'ai eu. D'ailleurs, c'est tellement chiant qu'en plein saut je sauvegardais parce que. Ça, j'ai pas envie de le refaire, vous voyez. Je crois que la ruse, elle est plus comme ça en fait. Là, je me fais complètement. Non! Aïe! Oui, ça pique! Voilà! Oh, je les ai alignés tous les deux! J'ai fait quelque chose de très propre! Ah, elle est là, là! Qu'est-ce qui se passe? Mais quelle joie! Bonjour Mélissa! Ah, j'espère que tu vas bien! Ah là là, tous mes voeux, hein, santé, bonheur, prospérité. D'ailleurs, tu as écrit un très beau message sur ton Twitter. C'était très touchant, c'était très beau. C'est bien, tu sors des formules habituelles. Ah, j'espère que tu vas bien cette nouvelle année, Mélissa. Sans déconner, ça me fait très plaisir de te voir sur ma chaîne. Ah, j'espère que tu vas bien, Mélissa. Alors, tac, 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 tac. Merde, c'est en face qu'il faut que j'aille. Touk, touk, touk. Et puis il faudra que je sauvegarde parce que. Oh le beans. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue, 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 bienvenue. Alors, hop, je sauvegarde par la même occasion. Je remonte. Bien, j'ai vu ta chaîne depuis quelques temps sur Twitter. J'ai mis les annonces de ton stream sur mon serveur Discord. Et je voulais pas follow sans être là. Merci, t'es adorable. Merci tout plein, Mélissa. Oh là là. Alors, je mets un sabre. Tac. Ah, c'est stylé. C'est sûr que la couleur d'étain par rapport au truc qui est complètement carbonisé. Je fais mon mariole, mais c'est rien passé là. Attendez. Ah si, ça s'est ouvert ça. Oh mais quel idiot. Là c'est le moment que je réagis.
comme d'hab. C'est un levier ça? Non, c'est pas un levier. What? C'est quoi ce truc? C'est une énigme pour moi. Non, déconne pas. T'as une amie qui joue au même jeu en même temps. À concours de circonstances. Bah, en fait, le troisième opus, j'y avais joué, je le découvrais en fait. J'avais vu un tout petit peu à sa sortie sur PlayStation, mais je possédais ni la console ni le jeu, j'étais chez quelqu'un d'autre. Et j'ai vu le début. Et. Attends, je vais allumer, on voit rien. Et. Donc, je me suis refaire sur PC il y a quelques temps. Et j'y ai joué dans mon coin. Hein. C'est avant mon aventure Twitch. Là, j'y jouais en solo. Enfin, en solo. En perso. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouh, ça, c'est une arène de boss. Et j'étais coincé vers la fin. Parce que la fin de cette histoire, il y a un temple des 4 éléments. Et du coup, j'ai eu autant commencer avec vous. Autant commencer avec vous. Je sais pas, il y a un truc qui se déclenche, j'ai des leviers, c'est cool. Ah, j'ai le plafond qui s'abaisse. Merde. Je me disais, je me mettais pas la pression, j'avais rien en visuel. Aïe aïe aïe. Oh non. Nul. Alors attends, on commence la chaîne des clics, des sabres. Donc je pense que je vais être bien motivé à finir enfin le jeu et à découvrir la fin que je ne connais pas. En étant sur Twitter, c'est mieux. En jouant avec des copains, c'est vachement mieux. Et dire que je savais pas que t'avais une chaîne, je découvre ça maintenant. Alors, dans la chronologie des événements, Mélissa, ce qui s'est passé concernant moi sur Twitch. J'ai commencé à, il y a plusieurs mois, à créer mon cahier des charges, à noter ce que je veux pour mon Twitch. C'est un rêve de vie, je déconne pas. Je rêvais dans ma vie de faire ça. J'ai, depuis 20 ans déjà, je m'enregistrais dans mes propres parties, je sauvegardais ce que je faisais, parce que j'aimais déjà me voir moi-même. T'imagines le mec barge. Je crois que tu dis Kichigai en japonais, barge. Enfin bref, on peut pas commencer à parler japonais, pardon. J'ai 20 ans de sauvegarde de parties jeux vidéo à balancer sur YouTube. Donc j'ai aussi ouvert ma chaîne YouTube il y a peu. Et depuis août dernier, je commence à émettre sur Twitch, mais en officieux. Parce que je voulais monter mes scènes, bosser pour faire un beau truc. Comme tu peux le voir, mon habillage là, à l'écran. Et c'est officiellement ce 1er janvier, c'est-à-dire samedi dernier, que j'ai officiellement inauguré ma chaîne parce que j'avais enfin le résultat que je souhaitais. J'ai bossé à fond les mois précédents pour avoir des beaux trucs. Et coup de bol, hasard du calendrier, j'ai mon affiliation qui est tombée hier. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des icônes qui arrivent. Je suis dans la... Je suis sous contrôle de Twitch pour la validation de mes émoticônes. C'est une question d'heure. Hein. Avec un peu de chance, on verra cet après-midi demain. Merci, merci pour les félicitations, Mélissa. Mais je suis aux anges. Je suis aux anges. Voilà, tu sais tout. C'est quoi ce truc? C'est des boutons? C'est quoi? C'est des pièges? Ah non, c'est des boutons. Il faut que je mette des trucs. Attends, je vais mettre une torche, je vois rien. Yep, 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 yep. Ah! Il y a un truc à haut. Là, il y a un escalier. Ah, parce qu'il y a une trappe ici. D'accord. Sur le côté, il y a quoi? Il y a rien. La vache, la pièce est vaste. What? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je l'avais même pas vu, ce Nigo, en lévitation. Le temps s'est arrêté pour lui. Ok. Tout va bien. Ils ont dû faire une suggestion d'embrochement avec un...
Attends, même là, il y a un truc là. Ah, mais même lui, il est en lévitation au milieu de la pièce, j'avais même pas vu. Les bras en croix. Attends, c'est quoi ce délire? Il faut que je m'approche du truc central pour déclencher un truc? Ouais, c'est le pote du macaque volant, ouais, c'est ça. Ah, oh, il a été transpercé le. Oh oh. Oh oh. J'ai un petit souci. Non! Va-t'en, démon! Attends. Allez là, Ah, je l'ai bien saucé là. Là, il est... quand on a la touche. J'ai la technique. Ah, oh, je maîtrise maintenant. C'est cool. Il donne rien du coup? Non, il donne rien lui. C'est un radin. Il donne que puik. Tac, 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 tac. J'en suis où dans les sauvegardes? J'en suis là. Chaud. Merci pour les encouragements. Merci, 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 merci. On progresse, on progresse. Alors, attendez. Il y a des trucs de clé machin. Le gars est mort. Il y a deux gars en lévitation. What the fuck? C'est vraiment un délire. Il donne vraiment rien le monstre. Parce que on est d'accord. Dans mon inventaire, j'ai. Ah si, j'ai une clé. Ah si, j'ai une clé de ganache. De Ganesha. D'accord. Il faut que je fasse une première clé dans les serrures. Ah! Qu'est-ce qu'on déclenche? Rien, visiblement. Ça n'est pas une autre de clé de. Non, j'ai pas d'autre. Ah, là, j'ai ouvert un passage, non? Ah oui. Ah ah! Torche. Sauvegarde. Ah oui, c'est le plafond. J'avais oublié l'épreuve du plafond qui se casse la binette. Comme j'ai déclenché un autre truc. Bah, vite là. Non, t'es trop lente. Tu es morte. Alors ça va être chaud. Sans déconner, ça va être chaud. Faut qu'on s'accroche. Je vois pas comment je peux. Comment je peux faire mieux? Là, retourner. Ah, il est là, c'est le deuxième, pas le troisième cure. Merde! Il faut que je sprint dès le début, à mon avis. Tellement que c'est balèze. Là, je sprint, tac, 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 tac. Retourner, hop, je vais sur la deuxième case. Merde, je me tourne mal, je tourne mal. Oui. Ok. D'accord, j'ai réussi l'épreuve de vitesse. Ouais, je veux bien, là. Ah. Vache. Donc j'ai une deuxième clé qui se met je sais plus où. Faut dire aussi la salle du temple est magnifique. Ah d'accord, il y a trois clés. Ah bah ça va. On va bientôt avoir la suite. Merci pour les encouragements. On y croit. Ah bah merde, j'avais oublié que j'avais un losange. Ah bah pour la dernière épreuve, si je me fais cuit, j'aurai de la santé gratos. C'est pas par là la dernière épreuve, par hasard? Parce que je suis pas allé dans le truc de flotte, là. Enfin, je crois pas. Ou alors, je suis arrivé par là. Je sais plus.
Non, je crois que je suis arrivé par là. Attendez, que je relise la salle. Non, je suis arrivé par là-bas. Minute papillon. Je suis complètement largué. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je suis arrivé de là. Ah, je suis arrivé sur les. En haut, sur le côté, là, je crois. Je sais plus. Trou de mémoire déjà. Alors que ça fait il y a 10 minutes, un quart d'heure, hein. Grave. Donc il faut que j'aille là. Oh vache! C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh! Effectivement, je vais y aller avec la torche. Parce qu'il faut que j'y voie des. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu te remets en retrait, RZR. Pas de soucis, à tout à l'heure. Ou à Stapan. Merci, un tout plein bisou. Je te laisse regarder Peinard, il n'y a pas de soucis. Merde, là, 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 contre-courant, contre-courant. T'es en 90, tu joues à ton PlayStation, t'as pas de carte mémoire. Ah oui, non, mais oh la vache. Ah oui, alors là, scénario de fou. Bah, tout à l'heure, SDR. Quick. Attends, il y a un courant. Il va falloir que je pige le système des courants marins, là. Là, il y a un truc. Énigme. Vais là, clac, clac, clac. Là, je peux aller là, en toute quiétude, toute tranquillité. Je me retourne. Par là. Mais non, mais j'y étais, c'est dégueulasse. Attends, il y a un truc, j'ai pas. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Le but de la manie. Je vais là-bas. Ça, d'accord. Ou alors, faut que je passe derrière les pics. Non, c'est pas logique. Il y a un truc derrière les pics. Mais non, là, je suis en train de me tuer comme un con. Non, non, faut pas que j'aille vers les pics, c'est un traverso. Ça peut pas être ça. Merde, j'appuie sur la mauvaise touche. Déjà, je commence mal. Vache. D'accord, il y a le truc là, ok. Je repars là. Ah bah apparemment il y a plus de. Attends. Je suis tellement content de ce que je viens de faire, je vais sauvegarder une nouvelle fois. Tac, 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 tac. Je tic. Oui, du coup, il n'y a plus le. Ok. Il n'y a plus de courant. C'est ça l'intérêt des manettes. C'est que j'ai coupé les leviers, ont coupé les valves. C'est quoi ça? C'est une clé, c'est ça? Ah, c'est l'épreuve de l'eau! Ok. Stylé. C'est moi où il y a un tremblement de terre là. Santé. Non, santé, je suis à fond, je vais pas faire le genre de truc maintenant. C'est quoi qui s'est déverrouillé? Ah, c'est le truc en haut.
ce petit son vous rappelle qu'il est midi. J'ai fini le niveau. Cool. Waouh. Ah bah c'est bien, ça me fait un final très classe. Ah génial. Là j'ai comme un secret trouvé. Ah il y aura encore de la jungle la prochaine fois. Ah là là. Alors je vais sauvegarder là. Tac. Merci pour les GG. Merci. Ouais la cinématique était sympa le peu que j'ai vu. Je la regarderai en diffusion parce que je faisais des manips sur ma tablette en même temps. Alors attendez, tac 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 tac, on quitte l'écran machin, on va retourner sur ma tronche en gros plan. Pour vous annoncer le programme de cet après-midi. Attendez, where? Voilà. Donc déjà, merci à toutes et tous d'avoir été là. Voilà, c'est cool, j'ai réussi ma manip. Oui, cet après-midi. Alors, je reviendrai peut-être pas tout de suite à 14h. Je vais faire 2-3 manips personnelles de ménage, etc. ou autre truc. 14h30. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 14h30. Et je ferai du Resident Evil Zero. Je vais rallumer la PS3 pour cet après-midi. Et puis voilà, on verra en fonction de mon énergie de la journée. Je vais jouer jusqu'à je sais pas quelle heure, on verra. Voilà. Que dire d'autre de plus? Rien de spécial, là j'avais pas de modérateur, donc je ne peux pas dire merci Intel pour la modération. prenez soin de vous, bon appétit, hein, midi heure française. Et puis merci d'avoir été là, merci pour les abonnements et oh. Et voilà, j'avais déjà zappé. Merci CyberJojo pour ton abonnement. Et merci SDR pour ton abonnement. C'est pas rien, punaise. Vous mettez la main au portefeuille pour moi. Ça fait chaud au cœur. Bien que vous savez, je vous dis ça, je vais souvent le répéter. Gardez au mieux les sauts pour vous. Mon optique idéale, c'est on passe un bon moment. J'ai la chance d'avoir déjà un matériel potable, pour pas dire vraiment un bon matos. Et surtout pas mal de jeux. Donc on a de quoi s'occuper dans les mois à venir. Surtout que bon, là je profite d'un moment de congé pour être en semaine sur Twitch, mais à la régulière, à l'année, je vous rappelle que je diffuserai que le week-end. Je serai du samedi dimanche moi, certes au mieux toute la journée, mais que samedi dimanche. Alors sur 7 jours, être présent que 2 jours, c'est voilà, faut que vous en soyez conscient. Merci pour ta présence Mélissa, merci, ça m'a fait très plaisir. Ah bah t'es la bienvenue comme tout à chacun ici. Ah, et d'ailleurs, je ne le fais pas là maintenant, mais pour tenir informé Mélissa, maintenant, depuis l'inauguration, là, cette semaine de ma chaîne, je propose le jeu du tableau mystère. Je te montre très rapidement le truc. Je fais des compositions d'images à partir de captures d'écran de jeux vidéo. Il faut deviner à quel jeu vidéo ça correspond. Voilà, maintenant, on n'y joue pas maintenant, mais de temps en temps, en fin de direct... je laisse 10 minutes à un quart d'heure où on joue au tableau mystère. J'ai appelé le jeu comme ça. On y reviendra ce soir. Ce soir, je referai le point après ma partie de Resident Evil 0 où on en est. D'ailleurs, il n'est pas à jour là. Je crois que quasiment tout a été trouvé. On va changer de tableau mystère. Il y a encore Twinsen qui a trouvé hors antenne les bonnes réponses. Il est redoutable. Twinsen, il va me bouffer tous mes tableaux. C'est un truc de fou. Je suis en vacances juste cette semaine. Voilà. Je suis en vacances cette semaine, donc lundi prochain, par exemple, vous ne me verrez pas sur Twitch.
Là, il faudra que je bosse, je bosse, je bosse, je bosse. Donc, voilà, jusqu'à dimanche, je peux affirmer diffuser tous les matins, jusqu'à dimanche, là. Après, ce sera plus que les week-ends les semaines suivantes. Pardon, je vous lis. Si c'est des anciens jeux, je ne pourrais pas trouver, je suis trop jeune, moi. Alors, tu sais quoi? C'est ce qu'a dit Edge Club, qui lui aussi a même pas 20 ans. Et il a trouvé, en fait, des vieux jeux d'avant sa naissance. Pourquoi? Parce que certains tableaux mystères, par déduction, tu peux trouver. Edgy, lui, il avait trouvé GP 500, qui est un jeu de moto. Mais il a vu un mec dans l'image qui était casqué avec le mot-clé contre la montre. Donc, quand je dis c'est un jeu des années 90, moto sur PC, bah, tu recherches rapidement sur Internet, sur Google et compagnie, jeux vidéo, moto, années 90, PC. Bah, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 5, 6, 7. Tu balances tes propositions avec la commande point d'exclamation TM. Je réexpliquerai cet après-midi. Et moi, j'ai ta réponse qui arrive dans une liste dans mon interface et je vois qui a répondu quoi à telle heure. Donc après, le cadeau, quand vous avez une bonne réponse, c'est que je vous donne des points de chaîne. Des points de chaîne qui vous permettent de faire plein de trucs. Là, je peux te relancer ma boutique que j'ai faite. Tu peux me donner des gages, demander différents trucs en direct. Tu vois, parfois je fais le mariole. Je porte ma coiffe sanglier parce que ça me tient chaud au crâne. Mais c'est pour rigoler aussi. C'est rigolo. Et aussi, il y a le gage des patounes. Je mets les petits gants. Bah, pour jouer avec une manette avec ça, je ne l'ai pas encore fait, mais ça va être galère. Quand j'ai la. Attends, regarde. Quand je prends la manette de la PS3, on la voit mal, elle est en noir. J'aurais dû prendre la grise de la PS2. Bah, vas-y, va jouer avec des patines avec ça. On va rigoler. Alors, je vais essayer de tricher avec le côté pas coton. Je peux y arriver à jouer. Mais c'est juste que ça va être la grosse galère. Mais c'est rigolo. C'est, voilà, on va se taper des délires. Vous pouvez déclencher ça avec vos points de chaîne, points de fidélité. Enfin, voilà. Au fur et à mesure, je vous laisserai découvrir. Hop là, voilà, je range la patoune. Alors, que je vous lise un peu. Tac, 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 tac. Bah oui, c'est là pour qu'on rigole, qu'on passe un bon moment, quoi. Voilà. On est là pour ça. Bon, bah voilà, je vois que vous ne manifestez pas plus dans le chat. Je vais vous laisser là. Attendez, je vais peut-être faire un relais de chaîne. J'ai pas regardé qui était en ligne. Je vais regarder rapidement. Donc, 14h30, c'est l'heure idéale d'après moi. 14h30, on se retrouve pour du Resident Evil Zero sur ma chaîne heure française. Tac, 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 voilà. J'ai personne. Ok, bon, bah, je vais couper net le signal, j'ai personne. Il n'y a personne sur Twitch de mon côté. Bon, bah, gros bisous. Merci d'avoir été là. Encore merci pour les deux abonnements CyberJojo SDR. Et puis, bah, recoucou, Twinsen. Je suis en train de rendre l'antenne. Je suis désolé. Rendez-vous à 14h30, Twinsen, pour du Resident Evil 0. Donc, avec un peu de chance, je serai encore à l'antenne quand tu rentreras du boulot. Et là, on refera le tableau mystère après Resident Evil 0 vers peut-être 17h, 17h30, je ne sais pas encore. Et encore bravo à toi. Je te mettais en lumière là parce que tu trouvais beaucoup de bonnes réponses. Bonne app, à tout à l'heure. Bisous. Ciao, ciao, je coupe. Merci d'avoir été là. Hop là.